Vous ne voulez pas que ce soit les Français qui aient la clé de ces frontières. Vous voulez livrer la France à une immigration massive ? Non. Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est l'économie. Votre discours racoleur auprès des Français doit cesser. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Et vous êtes hypocrite. Sale menteuse. Vous donnez des leçons de morale à la terre entière. Enfin, pas à la terre entière. C'est aussi ça le problème. C'est toujours deux poids, deux mesures. Vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Vous ne connaissez sûrement pas le dessin animé Dragon Ball Z. Ce n'est pas particulièrement mon truc. Eh bien, je vais vous dire, vous méritez un bon Kamehameha dans la gueule. De niveau 3, quand Son Goku a les cheveux jaunes et qu'il envoie une boule. La boule prend feu et on voit un impact très fulgurant à son adversaire. Un impact qui vous jettera hors des limites de la France. Car vous ne représentez pas ce que j'appelle la France. Paf, dans la gueule. Elle n'a pas vu venir. C'est bon ? Excusez-moi, j'ai un fou rire. Je peux assumer d'avoir un fou rire ? C'est énorme. Et enfin, j'en termine. À l'issue de ces négociations, parce que moi je ne ferai rien contre le peuple français. Mito, vous fabulez. Vous fabulez. Je n'irai pas faire ce qui a été fait par vos amis socialistes et vos amis UMP d'ailleurs en 2005. Ah, mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez me prendre sur le sujet. Je vais vous ratatiner. La France que vous défendez, ce n'est pas la France. C'est une salle de marché. La France ne sera grande que si elle tend sa main aux autres. Et vous, ne me proposez pas à la France, aux Français, de tendre leur main, mais plutôt de lui mettre un gros doigt dans le cul. Et excusez-moi, Madame Le Pen, mais quand je vois la taille de votre index, il est de mon devoir de protéger l'anus des Français. Alors le verdict, dites-moi ce qui n'allait pas, je veux tout savoir. Mais toi, tu es vraiment dégueulasse, quoi.